Mais l'heure est venue de passer à notre griotte. Et je tiens à préciser que par griotte, Alex n'en sent certainement pas la cerise à chair acidulée, n'est-ce pas, Roukiata? On a beaucoup parlé ces derniers temps dans la presse du fait que la mairie de Lyon a souhaité instaurer un jour sans viande dans les cantines scolaires. Normalement, ce n'est pas l'info de l'année. Mais comme on est rentré en pré-campagne électorale, nos politiciens, tous frétillants et piaffants d'impatience, commencent à se faire les dents avec tout et n'importe quoi. En même temps, on le comprend, une campagne électorale, c'est quand même beaucoup plus fun que la gestion d'une épidémie. Une mention spéciale pour Gérard Darmanin, pour qui supprimer la viande un repas par semaine, c'est un acte qui relève d'une idéologie scandaleuse. Alors, mes coucounous chéris, je voudrais remettre les pendules à l'heure parce que manger du topinambour une fois par semaine, ça ne va pas vous boucher le trou du cul, comme dit tonton Théophraste. Non mais oh, de quoi on parle là? Un jour par semaine, ça veut dire un repas par semaine, celui du midi. Or, si on mange trois fois par jour, ça veut dire pas de viande, un repas sur 21. Alors, je ne voudrais pas tout ramener à ma douce enfance dans mon beau Burkina natal, mais moi, c'était plutôt un repas sur 21 que je mangeais de la viande à l'époque. Oh, on n'était pas des petits surprotéinés, nous. Hein. Non, on n'était pas menacés par l'obésité. Et quand on avait la chance de choper un bout de barbac, ce n'était pas de la belle entrecôte de 300 grammes. Hein. Non. C'était un agglomérat de 50 grammes de peau, d'os et de tendons, avec parfois des poils ou des plumes dessus. Et nous, on suçait ça parce que notre croissance en dépendait. Et je peux vous dire que quand tu avais ton bout de viande, tu le mâchais pendant une semaine tellement tu étais heureux d'en avoir gagné un. Quand le bout d'os ressortait de ta bouche, il était propre comme un os neuf. Vous avez déjà vu un os neuf? D'accord. À la cantine scolaire, les bonnes semaines, lundi c'était couscous, mardi haricots. Mercredi, couscous haricot. Jeudi, haricot couscous. Et vendredi, couscous au lait en poudre. Et ceux qui pouvaient sucer quelques protéines animales une fois par mois ne devaient pas se plaindre parce que souvent, il n'y avait rien à bouffer à la cantoche. Tu mangeais ce que tu avais amené le midi et parfois, c'était tellement la misère qu'on attrapait le plus chétif d'entre nous et on le bouffait pendant la récréation. Après la récré, le maître disait « Mais il est où ? Passé où, Rasmané ? » Et nous, on regardait ailleurs en mâchant nos cure-dents. Et là, le maître comprenait et il se mettait à hurler. Et vous m'en avez même pas gardé un morceau. Ah, ça vous fait marrer les histoires de petits africains cannibales, hein? Ah, c'est pas joli, hein? Hein? Vous deviez avoir honte, Guillaume. Hein? Ah, moi-même, quand je repense à Rasmané, j'ai des remords.